Un à droite, un à gauche. Bien, allez aux extrémités. Bien, 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 bien. Seigneur Mako, vous êtes donc vainqueur de ce cagate. Avez-vous quelque chose à rajouter? À vrai dire, votre excellence, oui. Le Conseil Noir vous écoute. Bien. Moi, Seigneur Mako Velkan, n'étant pas patriarche de la famille Velkan, mais parlant au nom du patriarche, dis et déclare désormais que la famille et la lignée Velkan sort de l'ombre et reprend du service pour servir l'Empereur et le Conseil Noir dans leurs objectifs afin de gouverner cet univers et d'assouvir tout être à la volonté de son empereur, de son excellence suprême. Et comment comptez-vous faire ça, Seigneur? Le pouvoir grandira. Ce pouvoir nous servira à vaincre les Jedi, à terrasser nos ennemis, à les capturer et à les détruire définitivement, à faire plier le genou à chacun qui se dresseront sur notre route, pour que le Conseil Noir puisse régner en aidant son excellence suprême dans cette tâche, sur cet univers et sur cette galaxie. Exact. C'est notamment deux familles qui sont en concurrence, n'est-ce pas?
Pas à part entière, mais comme toute lignée, ils essayent de faire leur mieux possible pour marquer leur place dans l'histoire de cet empire. Que pensez-vous de Béron, Sonia? Je n'ai pas d'avis à donner sur mes supérieurs. En tout point, et en disant la famille, la lignée Oberon, celle-ci reste respectable. Ils ont fait des choses, et malgré qu'il reste, comme tout site, un concurrent potentiel, nous pourrons peut-être tisser des liens afin d'aider au mieux cet empire. Entendu. Pour me vous retirer. Pas là pour tout. Et d'accueillir chaleureusement. Prêtre. Regarde ta tenue pitoyable. Ça va, mon garçon? Ouais, elle est mieux que celle que je portais avant. Ah oui. Avance-toi. Prêtre. Levez-vous, Sith. Ne vous mettez pas à genoux face à un pleutre pareil. Un traître. N'est-ce pas, Jedi Anderon? Mais vous le savez, j'ai pas besoin de parlementer là-dessus. Ça ne m'étonne pas de votre part, vous avez toujours été aussi pitoyable. Bien si tu penses que vous devez savoir la vérité. Ce jeune homme a décidé de devenir un Jedi, ce n'est pas pour rien. Pas sans savoir que la furie et le maître des traditions ont parfois l'honneur de pouvoir assister au Conseil Noir et à leurs discussions. Le Conseil Noir était en grand débat, que je peux désormais dévoiler à propos de la rétrogradation du Dark Anderon. Qui dit rétrogradation d'une furie signifie la mort, vous vous en doutez. Je pense que le Dark Anderon a fini par comprendre ou entendre une discussion du Conseil Noir et a préféré s'en aller plutôt que d'être déshonoré devant vous tous. Et le voilà ici qui clame que c'était une grande furie. Alors qu'il s'est enfui pour éviter d'être rétrogradé. Tout ça pour vous dire que si vous décidez de fuir votre destin, c'est les membres du Conseil qui vous rattraperont. Nous sommes en train de distribuer les antidotes, mais nous nous sommes réservé une petite surprise pour ce misérable. Transformez-le. Allez-y, serviteur. Laissez la bête. Non. Que la force soit avec moi. Non.